Ah bah c'est pas grave, on est reparti, hein. On va lancer un petit run. Ah. Mon chrono. Ah. Non, c'est mieux. C'est dommage, hein, je ne veux pas que j'aille m'entraîner contre Mayo. Ça aussi. Pourquoi des fois il faut lui donner deux coups? Pourquoi un coup? What? Who are you? I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help! Get him! Get him! It looks like you chose the wrong party to crash. My business is with Echigoya. Step aside. Or I will have to kill you. Est un peu proche, j'avais peur que ça ne passe pas. Echigoya, where have you hidden? Your bodyguards are dead. And you are next. Oh, il fallait pas que je traîne. Ouais, sauf que c'était un lancier. Il avait largement la portée pour me toucher. Your greed sickens me. I hope your death is a lesson to others. Ouais, voilà, c'est une disposition hein, qui est plus lente puisque j'ai un garde non plus à tuer. Donc ça abandonne forcément quelques secondes au passage. Puisque je pense pas avoir perdu vraiment de temps dans le niveau. I sense danger. I'd best hurry. Si ce n'est le temps qu'il m'a fallu pour tuer le garde. Alors qu'est-ce que j'ai appris ce soir sur le level 4 hein? Quand je passe ces mecs avec la tourelle s'étendue, c'est de passer sur le côté. Et par contre quand j'ai le lancier au milieu, ça vaut le coup de le tuer, on peut gagner du temps après. C'est de me souvenir ce qui m'a réussi ce soir. Parce que c'est vrai que quand même, mine de rien, j'ai sorti mon best time ever sur le level 4 ce soir, même si les runs après n'ont pas été terribles. Enfin, n'ont pas été jusqu'au bout. Soit pour prise de risque, soit pour disposition, soit pour fail. Allez, là, je peux pas. Oh, par contre, pas de peau de prendre le deuxième coup d'épée qui aurait normalement pas dû me toucher. Bon, bah,
c'est pas grave. Que la première chose qui arrive, ça c'était normal, hein, le loup m'avait suivi, donc bon. Je me prends un coup, ça c'est logique. Oh! Alors, encore une fois, là je ne peux rien faire aussi. Malheureusement. Ah bah c'était vite plié là celui-là. Eh ouais, ça arrive, hein, ça arrive, ça arrive. Je l'avais pas encore vraiment eu, je crois, ici, quand j'avais streamé. Depuis que je stream celle-ci, j'étais toujours resté, je n'avais pas glissé, mais voilà. C'est toujours ce qu'on redoute avec ce garde, même en se mettant dans le petit recoin là. Et là, il est initié deux coups. Voilà, c'est pareil, c'est aléatoire. Des fois c'est un coup, des fois c'est deux. Et deux, malheureusement, il y a toutes les chances que ça me propulse dans le vide, même en garde. Hein, et je peux pas échapper. Je peux pas échapper. Je me demande si j'aurais des fois mieux pas. Ouais. Ça se trouve, à prendre le coup par la tête, sans garde, ça m'aurait moins propulsé. Je suis pas certain, mais. Oui, d'ailleurs, ça serait peut-être une réflexion intéressante à se faire. C'était propre, là, directement viré de niveau 3. Ils ont une bonne technique, ces gardes. Les fourbes. Ah, c'est pas simple d'être un ninja tous les soirs, hein. Voilà, et là, un coup. Come on, come on. What? Who are you? I'm here to avenge all the innocent people you've hurt. Somebody help! Get him! Get him! It looks like you chose the wrong party to crash. My business is with Echigoya. Step aside, or I will have to kill you. Echigoya, where have you hidden? Bodyguards are dead, and you are next. Ah, c'est passé quand même.
J'ai de la chance là, son coup de lance est arrivé juste après. Alors là, on voit qu'il avait eu le temps de rentrer dans la salle, des fois, et être juste derrière moi. Des fois, il n'a pas le temps, il rentre dans la salle, mais il n'arrive pas jusqu'à moi. C'est vrai que c'est la disposition quand même la moins agréable pour le level 1, quand on a le garde sous le toit là, une espèce de premier étage. Ouais, c'est très un cheveu, ouais, comme tu dis. D'ailleurs, je faisais la pub pour Axe, hein. Ce soir, ça va être la pub pour L'Oréal. Parce que je le vaux bien. Parce que je vaux pas mieux, peut-être, je ne sais pas. Mais c'est vrai que, voilà. Mais dans ces dispositions, c'est très souvent, vu que c'est un lancier, en plus, il a une portée phénoménale. Mais ça peut arriver, hein, quand même, que le Swordsman aussi qui traîne puisse aussi venir te donner un petit coup d'épée. Heureusement, ils ont pas mis un archer là. Il aurait pu manquer que ça, tiens. Ils ont pas mis. Allez, mettons un archer, soyons fous. Directement à l'entrée de la porte, en train de vider son tas de flèches sur tes fesses. Je pense que là, on peut t'amuser dans le jeu. Voilà. Un loup funambule. Hop. Voilà, c'est la disposition où t'as pas à perdre de temps sur la petite passerelle. Hein. Pas le moment. Ouais, L'Oréal, parce que je ne vois rien, c'est tout à fait ça. Donc je me dépêche, il y a du monde derrière. Attention derrière toi, c'est affreux. Alors ça, c'est bien passé. Là, il faut surtout pas oublier que quand l'ours est à gauche, hein, il faut bien sûr directement attaquer par les shurikens, pas faire d'erreur, parce que sinon ça va mal se passer. Mais c'est vrai qu'en règle générale, quand l'ours est à gauche, la seule chose désagréable, c'est que le garde qu'on voit là, hein, on voit juste sa tête, bah, vienne se mêler du combat. Ah, je suis en train de caresser la tête de l'ours là, tiens. C'est sympa ça. C'est la seule chose qui peut vous arriver embêtant dans cette disposition en fait. Et ça peut arriver si vous n'avez pas assez fait descendre en fait. Quand vous le rencontrez, il faut l'attirer le plus en bas possible pour être sûr de ne pas vous retrouver ben, comme un con, hein. Mais avec cette disposition là pour le level 3, je perds pas de temps. Ok, c'est cool. C'est bon à savoir. Hmm. Oui, c'est vrai qu'au final, à part le garde en bas, ça revient à avoir. Un garde à éviter. Ouais, il n'y a pas de garde à l'entrée. Hmm. Normal, normal. I have failed.
Ce soir, par contre, j'aurais fait des bons affrontements. Ah non, il y en a un. Oui, il y en a un que j'ai un peu raté. Oui, c'est vrai, j'en ai un. Mais dans l'ensemble, je n'ai pas raté la première phase. La différence d'hier. Hier, je sais pas ce que je faisais, mais je n'ai pas du tout mon timing. Alors, est-ce qu'on va me laisser passer, là? On va me dire non. Oula. Ah, puis c'est encore cette dispo, en plus, hein. Oh là 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 là. Ouf. J'ai eu du pot, hein, qu'il ait pas eu le temps de décocher une flèche quand j'étais en train de remonter. Parce que là, ça aurait été la cata. Parce que je sais pas où c'est que j'ai donné mon coup de grappin, mais ça n'a pas fait se déplacer beaucoup. Et en fait, des fois, quand on a un bon coup de grappin, alors soit déjà on monte directement, donc ça déjà, ça enlève une belle épine du pied. Mais surtout, il peut éventuellement se jeter dans le vide ou reculer. Et là, il n'a rien fait. Alors, c'est quoi? Ah, je vais tenter un truc, là. Hop, on va faire ça. Avec orientation de garde, attention. Je pense que je vais me faire violer derrière, mais... J'ai tenté de la rock ton idée, mais je pense que c'est pas mieux, parce que le monde qui est derrière, je crois que ça ne sert à rien non plus ça. Il faudra essayer à gauche, hein. Il manquera plus qu'à gauche. C'est la disposition, encore une fois, hein. Ceux qui ne sauraient pas, la plus lente. Donc je vais aller me faire violer un peu, hein. J'aime tellement ça ce soir. With nobility and honor. In the name of the Azuma Ninja Clan, I fully accept your challenge. Ouais, là, ils sont deux. Ils ont leur cure-dent. Ah, je ferais bien de me barrer là. Je le sens pas. Ah, j'ai pas eu de peau. Bon. J'étais obligé de gaspiller des fumigènes. Mais par contre, le seul truc, c'est qu'assez étonnamment, il n'y a qu'un garde qui m'a suivi avec le loup. J'ai eu un petit coup de chance. Ouais, j'aime ça. Bah écoute, ça s'est pas trop mal passé, mais j'ai joué vraiment très très prudent là. Beaucoup beaucoup de phases de recul, hein. Ce qui me fait que je gagne quelques secondes, mais bon, j'ai vraiment joué de façon assez sécure, là, je ne voulais pas... En même temps, c'est vrai que j'en ai eu qu'un, hein, donc ça me permettait de voir un peu venir. Quand on a qu'un avec le loup, c'est plus cool. Mais on voit bien, hein, je pense que mon explication tient la route. On a vu, hein, que encore une fois, quand j'ai attaqué Akechi, à un moment donné, mon personnage est parti sur un des côtés. Et ça, je suis sûr que c'est parce que le jeu détecte un autre ennemi à proximité. Et ça explique enfin pourquoi mon personnage fait n'importe quoi, je pense, dans le level 6. Pour le moment... Les faits vont dans ce sens, peut-être que... ça va pas durer, hein, peut-être que je vais trouver un exemple où ça fonctionne pas, mais... Ça pourrait tenir la route. Ouais, bah, le but c'est de gagner du temps, surtout que là, hein, encore une fois, je le répète... C'est la dispo la plus lente que j'ai eue pour le level 4, parce qu'il y a énormément de monde là. Il y a deux bretteurs, un loup et un lancier. Et là c'est marrant, le lancier, je sais pas, il vient pas en fait, le lancier. Je pense, de toute façon, les lanciers, l'avantage, c'est qu'ils sont lents. Donc souvent pour rejoindre une zone de bataille, hein, ils mettent énormément de temps. Par contre après quand ils sont là, hein, ils font très très mal, hein, en contrepartie. Et les gardes se déplacent plus vite, bien sûr, et sont beaucoup plus réactifs, beaucoup plus véloces. Enfin les gardes, les swordsmen. Et les archers, eux, n'ont pas de garde, mais ont une très très bonne vision. Salut à toi, Derek. La forme? Ouais, j'ai essayé de passer ma tech, là, ce soir, j'arrive pas du tout, là. Faut que je me rentraîne. Ah, presque!
obligé de faire du tout slash parce que il me prend malheureusement. Ah, ça me fait perdre du temps. Mais je suis obligé parce que sinon le troisième coup a un recovery énorme, ce qui fait que je ne peux pas initier tout de suite un nouvel enchaînement. Donc je suis obligé de faire une série de tout slash. Et éventuellement, s'il prend le deuxième coup, j'essaie d'en placer un troisième. Mais ça me fait perdre énormément de temps, ça. Et je ne sais pas s'il y a vraiment un moyen de lui caser plein de coups. En tout cas, je ne l'ai pas trouvé. Il y a peut-être un timing hein, super précis. Je sais que j'avais essayé lent, rapide. J'ai essayé pas mal de trucs, mais j'ai rien trouvé de régulier. Sympa ce tissot latéral. Je trouve que ça fait classe pour arriver à affrontement. Mais faut que je pense que je peux le faire encore un tout petit peu plus tôt, parce que même si on tape dans le pilier, on peut déclencher la scène en fait, parce qu'on doit passer légèrement à travers et qu'ils ont dû mettre, je soupçonne, une ligne à l'entrée du bâtiment. Donc même si on passe à travers un peu le pilier, ça le fait. Bon, je sais pas si je vais perdre du temps là sur ce level. Bon, on va voir la suite. I will inform Lord Goda of your honorable end. On a gagné une petite seconde. Pourtant, mon affrontement n'était pas terrible. Hein. J'avais pas dû faire quelque chose de grandiose dans mon PB. Bon, allez, le level 6, le level du troll. Ouais, j'ai encore disposition avec éventuellement deux gardes. Ouais, essayez de pas tomber dans le vide quand même. Parce que c'est bien de vouloir faire une diagonale, mais attention. To hurt people. I will take it, even if it means gutting you. My precious stone. Burn in hell, you heretic. I found that somewhat amusing. We meet again. Onikage, so you're behind this, too. Come on. You're brave, but fools, you will die. Coup de chance, parce que Onikage en fait était face à moi et il a pris les trois attaques, ce qui est très 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 rare, ce que j'avais raté, enfin il avait le temps de se retourner en tout cas, et j'ai eu énormément de chance. Thank you.
deseas que te maten, muérete. Expect no mercy. Your life is over. Bon affrontement. Très bon affrontement. J'ai même eu un petit peu de chance parce que quand il est parti en l'air, il a pu prendre un autre coup et ça l'a remis droit. Ah, par contre, j'ai pas assez de fumigène. J'en ai trop utilisé au level 4. Ça, c'est pas nice. Alors, si j'ai une dispo de merde. Ouais, et j'ai pas une bonne dispo. Oh là là. On va voir ce qu'on peut faire. J'ai la même dispo que tout à l'heure en fait, la pire. Enfin, une des pires. Parce que c'est vrai que dans ce niveau, il n'y a que des dispositions, il n'y en a qu'une bien. Ah, j'ai tenté l'OS. Chance, il est pas tombé. Oh, là j'en ai eu un petit coup par contre. Ah, par contre faut pas que je fasse le blanc. Bon. J'ai limité la casse. Pas un très très bon niveau, mais je pouvais encore une fois pas faire grand chose. Essayer de lutter, mais c'était forcé que j'allais perdre du temps, ce dispo. Ah la vache. Ah, je crois que c'est pas bon en plus. Ouf. Ah mais c'est pas vrai. C'est rare ça, deux fois de suite que je foire mon placement et ce qui fait que... Je m'oblige à faire deux fois un coup de grappin, c'est... Enfin, viser de grappin, c'est vraiment pas bien, ça. Pas été assez loin sur le toit, en fait. J'ai eu peur de tomber. Ah.
fois-ci, j'ai dû concéder quelques secondes. Même si mon chrono va indiquer le contraire, parce que j'avais raté mon split dans mon PB. Donc on a l'impression que j'ai gagné du temps, mais en fait, non. Ouais, je fais une petite erreur. Par contre, j'ai du gros dossier. Du coup, j'ai fait une petite erreur parce que j'avais pris un shuriken et en fait, je n'avais pas besoin de le prendre puisque j'avais 9 bombes. Alors, j'ai pas la pire des dispositions. Je ne sais plus laquelle c'est, celle-ci. Oh là là, par contre, je me fais troller par le chien. Je crois que c'est pas la pire. Enfin, c'est sûr, c'est pas la pire. C'est sûr, mais je... Comme ça, j'ai toujours du mal à les identifier tant que je suis pas rentré. C'est celle des Magic Altist. Ça peut bien se passer. Par contre, ce qui se passe mal, c'est qu'il m'a suivi directement, cet enfoiré. Donc pas de prise de risque. Il est où? Ah, pas de peau! Je me demandais où c'est qu'il était. J'ai perdu du temps. J'ai pas joué le kéké. Pas le cran là de prendre des risques. J'aurais dû. C'est pas que j'ai paniqué, c'est que je ne suis pas arrivé à orienter le Magic Altist qui malheureusement se mettait dans mon dos à chaque fois, je n'arrivais pas à le faire passer devant. Et j'ai hésité, je pense que j'aurais dû utiliser une autre bombe en fait. C'est ça qui m'a surtout dérangé, je n'arrivais pas à l'orienter. C'est pour ça que j'étais obligé de faire des sauts pour essayer de les faire partir un peu dans tous les sens. Mais c'est pas vraiment, je sais pas si c'est de la panique ou si c'est plutôt le fait de ne pas du tout arriver à les orienter. Parce que j'en avais qu'un Magic Altist, hein. J'aurais pu en avoir deux aux fesses. Il y en a qu'un qui a suivi, donc c'était bien parti. Mais malheureusement, j'arrivais pas à... Ah, toi, tu m'as pas eu cette fois, je commence à te connaître. Chaque fois, tu me fais le coup. J'en ai marre. Orientation de guerre dépassée. C'est bon ça, fait toujours plaisir. Ouais, je suis obligé de prendre une flèche là. Malheureusement, quand j'arrive comme ça. Ouh ! On aurait pu en prendre une deuxième.
Allez, enlève-toi. Oh, le saut! Ultra tendu. Ouais, il était vraiment short. Le saut, il était vraiment short. En fait, j'étais en retard, donc j'ai été obligé d'initier le saut, sinon c'était foutu. C'était foutu. C'est la disposition où malheureusement je ne peux pas prendre de risque, enfin pas prendre de risque, pas perdre de temps, pardon, à ne pas sauter. Ouais, moi aussi j'ai un mauvais souvenir. On a vu hein, qu'il était très chaud parce que mon perso en plus s'est rattrapé comme il a pu. Bon, je pense pas que ça sera un new PB parce que l'affrontement contre Mayo, ça fait longtemps que je l'ai pas fait. Je pourrais pas utiliser ma nouvelle tech dessus puisque je ne l'ai pas tenté. Donc je vais utiliser l'ancienne. Et je préfère essayer de sauver un peu les meubles. J'ai quand même tenté, j'ai pris un risque et on a vu, il faut surtout pas le faire, il peut se mettre en autogarde. Je suis taré. Bon, j'avais de toute façon largement assez de stuff. J'aurais dû utiliser une bombe de plus dans le niveau d'avant. Alors, on va voir si c'est un nouveau PB, bien sûr. Mais... genre c'est pas un PB, ouais. C'est... Non mais le truc c'est que avec il faut aller voir le temps in-game. Parce qu'on a des fois des surprises, tous ceux qui suivent régulièrement pourraient te le dire. Bon, là il y a de fortes chances quand même que ça soit un nouveau PB. Hein. Il y a de fortes chances parce que quand tu prends 30 secondes quasiment, 36 secondes, ça risque d'être forcément un nouveau PB. Mais j'ai joué un petit peu petit bras. Ouais, je pense, new PB quand même. Je pense aussi quand même. Et donc on a vu, hein, j'ai essayé ma strat, qui est donc de placer une crouch attack après une stabbing. Mais on a vu qu'il a fait de l'autogarde. Et là, j'ai eu vraiment chaud. Parce que du coup j'ai sorti, j'ai essayé de pas trop paniquer, je restais à ma place et j'ai sorti une crouch attack parce qu'il y avait toutes les chances qu'il soit, enfin, il peut faire deux attaques, soit le téléport, soit l'attaque éclair. L'attaque éclair, si je suis à bout portant, normalement elle ne me touche pas. Mais c'était pas sûr que ça passe. Et on a vu, il était en train de se téléport et ça l'a touché juste avant qu'il ait fini quoi. Parce que sinon il allait partir et là je l'avais bien en fion. Ouais, il faut essayer, il y aura des races. T'imagines la race sur Tenchu? Et en même temps, des races sur Tenchu, je te promets que si tu fais une race sur ce jeu, tu joues genre super safe, quoi. Tu vois le mec et tout, tu sais, tu fais... il y a un loup, là. Je pense que je vais prendre la peine de le tuer, parce que des races sur Tenchu, j'ai... Enfin, c'est vraiment un jeu, t'es pas sûr de le finir tout le temps, hein. C'est ça qui est vraiment rageant, parce que tu peux vraiment te faire coincer dans tous les sens. Puis vous avez vu, hein, il y a des fois, là j'en ai pas eu ce soir, mais il y a des infinis bien sûr dans le jeu. Et ça j'en ai pas eu, Akechi était pas en forme ce soir, mais bien sûr Akechi, une fois qu'il te touche, il peut se mettre à déclencher l'infini. Et là tu dis au revoir au jeu, hein, tu peux rien faire. C'est le jeu de la patience, Tenchu. Mais je pensais pas sortir un new PB ce soir, hein. La vache, parce que j'avais pas tout travaillé, toutes mes techs et tout.
Et bah, j'ai conservé mon avance en fait tout le long. Bon, et pourtant, ce qui fait râler, c'est que j'ai un level 8 dégueulasse. C'est le level 8 qui est le pire. Je pouvais pas avoir pire en fait en level 8. Hein. Et malheureusement, ça, c'est ce qui me fait toujours rager. Mais au moins, je n'aurai pas un level 1 dégueulasse dans ce qui vit. Le level 8, ouais, le level 8. Le level 6 s'est bien passé, hein. Là. Je crois que dans ce run, il s'est très bien passé, le level 6. Hein. J'ai fait un bon affrontement contre le mid-boss. Contre le premier boss. Et contre Onikage, il me semble que j'ai pas fait de la merde. J'avais la disposition avec les deux gardes. Non, il s'est bien passé, hein. Le level 6 s'est bien passé. Ouais, faut de la patience, quoi. Mais je pensais pas que j'allais battre encore un PB cette semaine. La vache, je bats un PB par semaine maintenant. Et pourtant, j'ai pas pris beaucoup de risques hein, dans ce run. J'en ai pas pris du tout au level 10. À part peut-être sur le boss et encore. Et au level 4, qu'est-ce que j'ai fait? Ah, j'en ai pris un petit au level 4. Petit risque au level 4. C'est tout. Mais il y aurait vraiment moyen encore. Si j'arrivais à mieux manipuler mes gardes, et c'est, je pense que c'est ça qu'il va falloir que je travaille, c'est de la manipulation de gardes. Et ça, par contre, c'est très long. Parce que pour réussir à comprendre comment ils se déplacent, et surtout dans la salle 10, dans cette grande salle, j'aimerais bien quand même être sûr, trouver peut-être des passages. Là, dans le level 4, ouais, passer complètement à droite, ça m'a un peu réussi, apparemment. Je n'avais plus qu'un garde. Et je suis sûr que dans le level 10, il y a ces genres de choses qui peuvent passer sur certaines configurations. Parce qu'au début, hein, faut savoir que quand je m'entraînais à runner comme ça, et que je faisais du training niveau par niveau, tout au début, en fait, je m'amusais. Et des fois, hein, je me retrouvais qu'avec un seul mec. Hein, et ça se déplaise. Ah, je te le dirai. Oui, il a baissé mon PB théorique aussi. Mon PB théorique, il a baissé. Il est autour de 15-30, je crois. Attends. Non, c'est 14-30, excuse-moi, 14-30. Il doit être à 14-30, puisque oui, j'ai gagné encore quelques secondes, en fait. J'ai réussi à prendre du temps dans le level 7, et même ce soir, en plus, j'ai réussi à sortir un super level 4, mais pas dans ce run, mais ça veut dire qu'il a encore baissé, ouais, mon temps théorique. Il va pas être loin des 14 minutes. Je me rapproche du multisegment de Whisbreaker Y. Ah, d'ailleurs, j'ai fait une petite recherche aujourd'hui, pendant une pause. Je me suis amusé à voir s'il y avait des nouvelles vidéos sur Tenchu. J'ai trouvé un mec qui a fait du debug mode dans le Shinobi Gensei, et en fait, après, il a dû faire une espèce de test dessus. Enfin, c'est un peu bizarre, parce qu'il a activé le debug mode, mais après, on voyait qu'il y avait des inputs, ça a été fait sur émulateur, et que c'était pas lui qui jouait, en fait, il rentrait les inputs. Mais après avoir activé le debug mode pour aller dans n'importe quel niveau. Parce que oui, il y a un debug mode, hein, pour ceux qui savent pas sur ce jeu. Et en fait, lui, quand il faisait des combats, c'était super stylé d'utiliser genre toutes les techniques, mais ça faisait pas gagner du temps. Mais c'est assez sympathique à voir. Il a fait les deux premiers levels, je crois, comme ça. Alors, par contre, le but, c'est de tuer tous les ennemis. Mais il les tue de manière assez stylée. Genre, il utilise un coup que j'utilise assez jamais, mais rarement, en fait, ce que j'utilise pas, d'ailleurs, qui est un dérivé des coups latéraux, en fait. Moi, j'utilise le simple, et lui, il utilise l'autre, qui, en fait, à la fin, ça fait une sorte de crouch attack. Ça projette... le mec, et il fait pas mal de sauts de lune et compagnie. C'est assez marrant à voir. C'est assez marrant. Un an normal, j'ai jamais reposé, ouais. En effet, je n'ai jamais reposé les mains sur le mode normal. Parce que en fait, en hard, t'as deux levels qui sont plus durs, mais je me demande si pour le reste, le fait que les ennemis soient, ouais, tu vois, 4,43, c'est pas un très mauvais temps hein, pour le level. Ça fait partie des bons temps. Mais si j'avais pris plus de risques, je pouvais passer sous les 4,30. Ce que je voudrais réussir à faire quand même. Faut savoir que dans le multisegment, il a sorti 3,30 en passant comme un bourrin. Ça, j'y suis jamais arrivé. Hein. Je crois que mon meilleur temps, c'est 4,27, mais c'était sur la version PAL. Allez, c'est parti, instant du PB. Bonsoir à toi, Shinfu Kubi. Je sais pas si je t'avais dit bonsoir, MK Pictures, d'ailleurs, au passage, je vois qu'il y a ton nom dans la chatroom. En tout cas, bonsoir à tous et bonsoir à tous les arrivants que je n'ai pas salués. Merci.
merci d'être là au passage. Ah oui, vous êtes quand même... mais c'est un petit peu monté, j'avais pas fait gaffe. Ok, ok, bah merci à vous d'être là, en fait, j'avais pas du tout suivi. J'étais tellement dans mon... dans mon run, en fait, quand j'ai vu que j'ai sorti un bon level 6, en fait, je me suis vraiment focalisé. Ah ouais, j'ai fait un bon 50 secondes au level 7. Tiens, je suis en train de le voir direct, celui-là. Bon, alors, on va reprendre. Allez, 38, 1.04 au level 3, c'est un bon temps, temps correct. C'est pas mon meilleur temps, mais c'est un temps correct. Ah ouais, j'ai quand même fait 1.55 dans le level 4. C'est bien, c'est bien, c'est bien. C'est pas mon meilleur, puisque j'ai battu mon meilleur tout à l'heure, parce que j'ai fait 1.47. 58 au level 5, c'est pas 58 secondes, hein. Ça, c'est, ça me fait toujours pleurer, ça. On peut faire des 50 secondes hein, là-dessus. Ça, ça me fait toujours un peu bête. 1.08 au level 6. Ok. Ok, ok. Donc, je pense que j'ai battu mon temps sur le level 6. Ouais. J'ai amélioré donc mon temps de 6 secondes. C'est pas rien, c'est pas rien. Un bon 50 secondes au level 7, ça fait plaisir. Ah, c'était quand même un bon run. Bon, voilà, le level 8. Malheureusement, j'ai perdu pas trop de temps hein, pour voir que c'était une disposition. J'aurais pu faire dans les 2 minutes. Hein. J'ai fait une 40. J'ai sauvé les meubles, on va dire. J'ai sauvé les meubles. Une 20 au level 9, c'est... ouais, c'est honnête. Et 4.44, on va s'en... c'est pas mal, c'est pas mal. 4.43, pardon. Ok, ok, ok. Et donc... The Answer, la réponse, c'est un UPB et c'est un sub 1530 puisque c'est un 1522. Ok, donc je suis officiellement en single segment à 2 minutes du multi-segment.